Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 29e épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Je crois que j'ai jamais fait un let's play aussi long depuis la sortie de ma chaîne. Et ben ça fait un poil bizarre de faire autant d'épisodes, même si pour l'instant je m'éclate à mort. Donc la dernière fois on avait fait une mission qui nous avait laissé un peu exsangue. Ouais. Autant de mecs complètement défoncés, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc on attend le satellite. Zut, l'installation. Le terminal de liaison, c'est bien. Faudrait qu'on creuse. Ouais. J'aimerais que les mecs... Alors, allez en salle de maintenance. Il faut que j'envoie une opération secrète. Non, pas notre sniper. Surtout pas notre sniper. Toi, c'est bien. T'as fait une mission. Ce qu'il faudrait, c'est que j'aille au... Non, à la caserne. Au centre de formation. Guérison rapide, évidemment. Je ne l'ai pas. Il faut que j'aille au marché gris pour vendre des trucs. Chirurgie extraterrestre. Il n'y a rien d'autre que je peux vendre librement. Des trucs qui sont non recherchés. Centre de formation. C'est quoi travail de pro? Ouais, non, mais on s'en fout d'expérience. Voilà, guérison rapide. Mais c'est pas actif tout de suite. Ça par contre c'est embêtant. Alors, satellite. Si j'envoie ici ces bonus expertise, je sais pas ce que ça fait. Si j'envoie là, c'est plus deux ingénieurs par mois. Si j'envoie là, c'est plus un scientifique par mois. Oui. Je me tâte un peu. Si je le lance là, au moins ça fera descendre la panique. Idem aussi ici. Voilà, on va le lancer là. On dirait que les extraterrestres commencent à s'activer. On a repéré plusieurs cibles non identifiées. Voilà, c'est bon. Au moins la Chine, c'est bien. Il faudra que je descende de ce côté-là aussi. Ça va. Et les fusils plasmiques, c'est fini. Maintenant, pour fabriquer nos propres fusils plasmiques légers, les soldats pourraient aussi utiliser ce qu'ils trouvent en combat. Ça, c'est bien. C'est très très bien. Canon plasmique. Ouf. Ça, c'est pour les avions. Fusil plasmique. Et l'optopsique berserker. Les hommes appellent ce monstre le berserker. Malgré ses similitudes physiologiques avec le Goliath, ce spécimen se comporte comme une bête enragée sur le champ de bataille, fonçant tête baissée dans le combat sans se soucier du danger. Oui. Un jour, je regarde la liste des soldats. Trois jours. Ah, il faut que je tienne 3 jours au moins. Oula, non, je reviens au jeu. Hey. Conservation des munitions, c'est terminé. Faudrait que je fasse quoi maintenant? Oulala. C'est quoi ça? C'est pour les CEM? Ah ouais, c'est pour les CEM. Et ça, c'est pour aussi les CEM. Sauf que ça coûte extrêmement cher. Oh la vache! De toute façon, en production, il faudrait que je fasse le canon électrique. Oh, je peux en faire un. Il faudrait que je l'équipe sur mon CEM. Donc, le berserker, c'est fini. On peut faire le stimulant et l'amortissement neural. Stimulant. D'accord, ça améliore les attributs vitaux. Et ça, c'est pour la volonté. Fusil plasmique, canon plasmique. Faire le fusil plasmique ou les communications par hyper onde. Voilà, on va faire le
Yes, ils reprennent du service. Ok, c'est parti, une nouvelle mission, extraction d'agents. Donc, il faut bien que je prenne les bons. On a notre CEM, classique, d'ailleurs il faut pas que j'oublie de t'équiper du canon électrique, ce qui est bien mieux. Voilà. Notre sapeur. De toute façon, en fait, il faut qu'on ait que des colonels. Alors, Zhang, on va te virer. Est-ce qu'on a notre colonel? Non, il est toujours gravement blessé. Donc, on va garder Zhang, même si ça m'embête. C'est parti. On va aller faire une opération Exalt. Souvent, c'est assez simple. En plus, ça fait quelques petites pépettes. Retrouver l'agent secret a piraté deux dispositifs et escorter l'agent en lieu sûr. Ouais, c'est classique. Classique ou classique. Ok, ça m'a l'air assez linéaire. Les forces d'Exalt ont interrompu l'un de nos agents. Oh, t'es sérieux là ? Strike One va devoir s'occuper des ennemis de la zone le temps que l'agent termine de récupérer les données sur les autres relais. Cet agent est notre seule chance. Pas question de... Ça va être super long, quoi. Pff, oh là là. La dernière fois, c'était tout simple. Bon, on va faire le tour par la droite. La question qui tue, c'est est-ce que je peux aller sur le toit? C'est quoi ces guns? Je ne préconiserai jamais de modifier la physiologie de nos soldats à un tel point. Ok, ça c'est bon. J'y vais tout de suite. 38. Ouais. C'est pas beaucoup, mais si tu pouvais le finir. Évidemment, raté. D'un côté. Je me dirige vers la position. Alors maintenant qu'on a notre canon électrique, en plus on peut tirer beaucoup mieux. 79. Ah, c'est un peu beaucoup je trouve. Ah zut. Je pensais qu'on pouvait tirer deux fois mais non. 35. Ouais, ça m'étonnait aussi. Toi tu restes en défense parce que là franchement, vu ce qu'ils ont maintenant... Quoi? Oh, bande de salopes, ça fait 12 quand même, 12 de dégâts. Ah. Oh la vache. 75, 95. Zut. J'aurais dû faire un tir à la tête. Réflexe éclair, ça va. C'est quoi ces armes? Non. J'aime pas ça du tout. Toi tu vas soigner. On va te remettre sur pied. Oh là là, ça va. Pourquoi tu les vois plus? Comment ça tu les vois plus? C'est n'importe quoi. Et boum. 79. On va te rapprocher. 79. Non, moi c'est lui que je veux. Ouais. Cible abattue.
Tu me le finis celui qui est là-haut. J'ai dit quoi? Oh la vache, la vache, la vache, la vache, la vache. On va se prendre un sacré coup. Ah, ça m'embête. C'est méga violent. Donc, on va se mettre en vigilance. Toi, tu vas soigner tout le monde, même si ça m'embête, parce qu'on n'aura pas tant d'utilisation de ça, du medikit, de disponible. Donc, toi, tu vas te mettre en vigilance. Toi, tu vas recharger. Je suis prête. Toi, tu vas recharger. Toi, tu vas te mettre en défense. Il faut les descendre. Oh là là. Vous m'en tuez un. Mais quoi? Mais pourquoi vous ratez tous vos tirs maintenant? Vous étiez parfait. Et là, vous devenez un peu merdique quand même. Alors, est-ce que là ça passe? Tir est bloqué, tir est bloqué, le tir est bloqué. Est-ce que Zhang ne serait pas un peu plus à même? Oh si. Oh si, on a un Zhang au top là. Avec plaisir. Zut, tout le monde n'a pas été touché. Lance-grenade, il dit quoi? Yeah. Essayer comme ça. J'aimerais bien en toucher plus qu'un. Bon, ça n'a pas été le cas. Alors toi, tu vas monter là-haut. Voilà. Yes. 95, 89. 95, y a pas photo. Je m'en suis occupé. Toc, tu vas te cacher ici. Hé hé. Ah, oh, zut. Alors, on va essayer avec le sniper. Ouais, tu le vois pas. On va faire un double tir. Raté. Touché. Pousser l'adrénaline. Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas le savoir, faut le tuer avant. Non, mais 80%, mais arrêtez de rater vos tirs, quoi. Vous avez fait quoi? J'avance. Oh merde. J'ai oublié ça. 5. Aïe, 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 aïe. On commence à avoir vraiment bobo. Ma super équipe, elle est plus au point, là. Ils ont pas choisi la bonne planète. Et on n'a pas encore atteint le l'agent secret, quoi. Quoi ce bordel? On va essayer de te faire venir. Je dis bien essayer. Est-ce que tu vois quelque chose? Toi, tu vois rien. C'est la galère, mais incroyable quoi. Tu peux pas t'auto-soigner toi? J'y vais.
Si, tu peux t'auto-soigner quand même. Ce qui est quand même pas mal. Je vais vers la position. On va recharger. Toi, tu vas avancer, de toute façon, t'as pas de couverture. La vache, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais quand même. Ok, il n'y a personne. On va le faire d'abord venir à droite. Donc, on va faire revenir le sniper à droite. Toi, tu vas rester là, quoique. Tu vas te mettre là. Toi aussi, tu vas rester là. Toi, tu vas sprinter. On va essayer de faire en sorte... Oula, j'ai cru qu'il y a eu un tir réflexe. Je suis en route. On va essayer de faire en sorte de décoder le machin facilement. Toc. Voilà. Nous sommes sur le point d'obtenir d'autres renseignements. Notre agent n'a plus qu'à activer ce relais, commandant. Commandant, nous détectons de nouveaux signaux en direction de Strike One. T'inquiète pas, ça va gérer la fougère. Voilà. C'est rien passé. Tout le monde en vigilance, même si le mec a pas encore décrypté le machin là. C'est juste parce qu'il risque d'y avoir du monde. Dans tous les cas. Une partie des données d'Exalt et le piratage a bloqué leur communication. Continuons à chercher les autres relais. J'y vais. D'accord. On va passer de l'autre côté. Je bouge. Doucement. Mais sûrement. J'y vais. J'ai pas perdu une unité depuis très longtemps. C'est pas maintenant que je vais commencer. Je me remets. Même s'il va falloir impérativement que je fasse des armures titans à tout le monde. Et que je commence à booster mes unités à coup de modification. Ouais, clairement, le problème, c'est le pognon, en fait. Hein. Ce qui me limite, c'est le pognon, maintenant. Alors là, le gros problème, c'est qu'on va pas avoir de... de couverture. Du coup, faut qu'on puisse one-shotter n'importe quelle bestiole qui arrive sans problème. Je suis en route. J'y vais. Toc. Oh, il va falloir encore un tour supplémentaire. C'était légèrement trop loin. Alors, s'il y a quoi que ce soit qui passe, vous tirez. Ah, zut. Nous avons piraté tous les relais de cette zone, commandant. Toutes les données sont décodées. Il faut conduire l'agent au point d'extraction pour évacuation. Objectif mis à jour. Je sais. Exalt a envoyé des renforts dans la zone, commandant. C'est pas là que j'attendais les renforts. Bon. Ah, si, quand même. Alors j'espère qu'ils vont pas tous...
La vache, j'ai eu plein de ratés, quoi. Ça fait 20 minutes. Un petit tir à la tête. Allez, on va finir la mission. Tu vois rien? C'est quand même bizarre. On va quand même finir la mission, même si ça fait 20 minutes. Allez, on avance. Dormeur, t'es super loin, dormeur. Tu vois quelqu'un, toi? Oh mon dieu, s'il voit quelqu'un, c'est-à-dire que ce quelqu'un le voit. Tu te caches. Touché, génial. J'ai déjà vu pire. Ok, ils ont leur truc plus fort là. Ils ont les mêmes armes que moi, les armes laser. Bon, par contre, vise mieux. Réalignement du réticule. Alors là, si on le tue pas, il y a un problème. Bon, déjà pas mal. Je suis en route. Yes. Allez, tu me le tues. Il est mort. J'aurai bientôt plus de munitions. Je sais, tu vas bientôt plus avoir de munitions. Je suis au courant. Alors, on va faire avancer tout le monde. On va se dépêcher. Oh là là, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'arrivaient pas à toucher les adversaires quand même. Hein. Bien, commandant. Zut, j'aurais dû faire directement ceci, voilà. Et bien je pense qu'on va pouvoir extraire tout le monde. Alors, hop, 1. Toi, t'as une sacrée distance de course. 2. Bien su, je bouge. 3. Affirmatif. Quatre. Je me dirige vers la cible. 5. On va y arriver, ça a été un petit peu mouvementé au début. Compris, j'y vais. Ah là là, ils m'ont surpris. Je suis en route. Tout d'un coup, ils ont la plus grosse puissance de feu, ils sont beaucoup plus agressifs. C'était très bizarre. Enfin bref, on a réussi cette mission sans perte. Juste, on a pris un petit peu mal. Ah, blessé, blessé, blessé. Eh, c'est censé être deux fois moins de temps. Hein. Fusil d'assaut laser, fusil de précision laser, quoi. Arme laser lourde. Déchiffrage des renseignements sur Exact terminé. Élimination des emplacements. Alors, opération secrète. La base d'Exalt n'est pas envahie, n'est pas dans un pays insulaire. Du coup, il reste le Brésil, les États-Unis, le Mexique, la Russie, la France, l'Allemagne, encore. Eh ben. Bon. Eh ben, de toute façon, ça fait 20 minutes, on va arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !